On met un coup de projecteur parce que c'est la semaine du goût, mais au quotidien, avec les deux diététiciennes de la ville de Tours et les cuisiniers, hein, on a 60 personnes qui cuisinent pour les enfants à la ville, à la cuisine centrale, et qui fournissent 7000 repas jour, ce qui est quand même une performance. Eh bien, avec eux, on réfléchit au quotidien de savoir exactement ce qu'on pourrait faire goûter de différent aux enfants. Quelle est la palette des saveurs, de façon à leur donner non pas simplement la capacité à se nourrir le midi, mais à comprendre des goûts différents, des cuisines différentes. Et ça, je crois que c'est assez réussi.